salut à tous et bienvenue sur Armature 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content d'être avec vous et je suis content d'être content. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée, ultra rapide et sans cuisson. Et ces petites merveilles, ça s'appelle des Riz. C'est juste magnifique. Tout de suite, les ingrédients. Il vous faudra 350 g de chocolat au lait, 100 g de beurre de cacahuète et 30 g de sucre. Pour la première étape, on va mélanger le beurre de cacahuète avec le sucre et on va réserver. Ensuite, on va faire fondre nos 350 g de chocolat au lait au bain-marie. Avec le chocolat fondu, on va venir remplir un quart de tous nos moules à cupcake qu'on va mettre au frigo pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce que le chocolat soit bien durci. Une fois que vous avez patienté pendant 20 à 30 minutes, je sais c'était dur, on va venir mettre notre beurre de cacahuète au milieu. Et on va l'étaler gentiment pour pas que ça touche le bord. C'est très important de ne pas toucher le bord. Comme ça, quand on va venir recouvrir juste après avec le chocolat, et ben on aura tout le beurre de cacahuète au milieu et ce sera juste magnifique. Alors n'ayez pas peur, il faut bien recouvrir pour plus qu'on voit le beurre de cacahuète. Donc en fait, on va monter jusqu'à la moitié du moule à cupcake. Ensuite, on les tapote un peu pour tasser le chocolat pour qu'il soit bien lisse sur le dessus. Et sans doute la partie la plus dure de la recette, les laisser 1 heure voire 1h30 au frigo. Et ensuite, soyez rassurés, vous dégustez. Et voilà mes amis, après l'effort, le réconfort. C'est parti pour la dégustation de ces petits Reese's. Mon anglais est bon, hein, à vous. Alors on a vraiment la forme, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Et allez, on va tout de suite voir ce que ça donne en congo dedans. C'est de la bombe. C'est excellent. Avec, regardez, on a bien le beurre de cacahuète. C'est juste magnifique. C'est vraiment le truc qui fait du bien au moral. C'est vraiment simple, facile. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Il y a juste le plus compliqué, je crois, je pense, et j'en suis même sûr, c'est d'attendre pendant 1 heure qu'il soit au frigo. Ça, c'est dur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu ou même gros pouce bleu. Et bien sûr, n'hésitez pas à me taguer dans les différents réseaux sociaux. Attention, 3, 2, 1. Facebook, Twitter, Instagram. Instagram. Et si vous appuyez ce bouton à s'abonner, il y aura une livraison spéciale chez vous le 24 au soir, amenée par le Père Noël. Et ouais, mais je vous dis pas ce que c'est. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un Max de 7.